Et bonjour à tous, aujourd'hui revue sur une marque américaine très peu connue, voire pas connue du tout en France, la marque Vapor Chef, Vapor Chef qui propose donc pas mal de liquides aux États-Unis. Les liquides sont fabriqués donc à Bristol. Et je vais vous en tester deux aujourd'hui qu'on m'a fait parvenir dans des petits samples, donc de 3 ml. Deux liquides qui pour moi valent vraiment le coup qu'on en parle. Je serais vraiment curieux de pouvoir tester le reste de la gamme parce que c'est vraiment intéressant. Donc on va démarrer tout de suite avec le Strawberry Frost, donc un liquide qui est en 70-30, donc 70% de VG, donc liquide assez compact. Translucide, hein, voilà. Là, il reste plus grand chose dans la bouteille parce que je l'ai atomisé en quelques heures. Et ils sont présentés normalement dans des bouteilles en verre, dans des petites bouteilles en verre avec flacon pipette. Voilà, et petite étiquette simple. Là, ils ont été reconditionnés avec pour les samples avec des petites bouteilles sécurité enfant, tout ça. Mais normalement, c'est des petites fioles en verre. Sympa. Donc on va tester ça tout de suite, on va tester ça sur le Hammer Clone. J'en ai mis un sur Clyro, un sur Atto, il y en a deux, donc comme ça donnera un peu une idée pour chacun. Donc sur un Aspire BDC, c'est parti, on teste le Strawberry Frost. Donc bonne vapeur, pour un aussi fort taux de VG c'est normal. Le heat est présent, pas de souci. Au niveau du goût, on est donc sur une fraise vraiment sucrée, agréable. Au niveau d'odeur, on était déjà sur une forte odeur de fraise. Mais on ressent vraiment cette odeur de fruits, pas chimique du tout, hein. C'est vraiment de la fraise. Voilà quoi, qu'on peut croquer vraiment le fruit lui-même. Au niveau du goût du liquide, on est sur une fraise donc abondante, un peu sucrée, et sur un effet menthol, un effet très très frais qui arrive en fond de gorge, mais qui n'est pas du menthol, donc pas de menthe, pas de goût de menthe, juste la fraîcheur du menthol. On a l'impression d'avoir un double ou un triple menthol, mais sans le goût de la menthe. Donc pour moi c'est super parce que j'aime pas le menthol. Par contre le petit goût frais avec la fraise, ça donne effectivement donc Strawberry Frost, ça donne comme une fraise glacée en quelque sorte. Donc c'est vraiment vraiment sympa, super liquide, rien à dire. Là c'est du 12 mg, voilà quoi, la bouteille je l'ai explosée en quelques heures. Et puis c'est tout ce que je peux en dire. Liquide vraiment sympathique. On passe au deuxième liquide, le Honey Piri, donc qui est un mélange de poire et de fraise avec une touche de miel. Donc moi quand je le sens, j'ai l'impression de sentir du melon, mais effectivement quand on sait ce qu'il y a dedans, on ressent effectivement que c'est pas du melon sucré, c'est de la poire avec le sucre de la fraise qui vient s'ajouter, ainsi que le miel qui donne un peu de rondeur. Et je l'ai installé dans mon fogger pour vous montrer un peu ce que ça peut donner sur Atto. Allez, c'est parti, on teste tout de suite donc le Honey Piri. Donc une bonne vapeur liquide, de couleur un peu jaune, ça reste du 70-30 toujours, un liquide voilà, encore agréable, on sent bien ce goût de poire avec un petit goût sucré, enfin même un bon goût sucré derrière. Au niveau du hit, il prend un peu plus en gorge celui-là je trouve,
C'est du 12, mais il attaque bien. Je pense que ça doit être dû aussi au taux de glycérine végétale. Sinon, voilà quoi, deux liquides vraiment super. Donc le Honey Piri aussi, vraiment très très bon pour ceux qui sont amateurs de fruits, qui aiment bien les liquides un peu gourmands, un peu sucrés. Voilà, très très sympa. Donc Vapor Chef, c'est une marque qui fait une marque américaine qui propose une vingtaine, un peu plus de liquides. Ils vendent par contre pas en France pour le moment. Peut-être que ça va venir, on verra bien. Voilà quoi, donc une gamme vraiment sympa. J'espère qu'on la retrouvera en France très bientôt parce que ça vaut vraiment le coup. Ça pourrait devenir un de mes all day parce que c'est vraiment, vraiment très très bon. Rien à dire. Ils proposent donc plusieurs taux de nicotine, plusieurs tailles de bouteilles, donc 6 ml, 30 ml, 60 ml, à des prix plutôt intéressants. Sur leur site officiel, c'est 3,99 $ les 6 ml. Et on est sur à peu près, je crois, une vingtaine de dollars. Ouais, 29 $ pour 60 ml. Donc voilà quoi, c'est pas très cher. Et au niveau du choix, on a plusieurs taux de PGVG. On peut avoir du full VG, du 50-50, du 70-30 ou du 30-70. Donc ça laisse pas mal de choix, pas mal de possibilités. Et ils ont toute une gamme de liquides. J'ai vu qu'ils avaient un liquide goût Nutella. Donc ça peut, vu la qualité de leur liquide, je pense que ça peut être vraiment vraiment sympa de tester les autres. Voilà, donc j'espère qu'on les trouvera en France bientôt. Et puis pour le moment, on va se satisfaire de ce qu'on a pour les tester. Donc Vapor Chef, marque américaine, vraiment très bonne. Si jamais vous avez l'occasion d'en avoir et que vous aimez les fruits, vous aimez, n'hésitez pas. C'est une valeur sûre, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et une bonne vape. A bientôt.